بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, et ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide. Qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chers sœurs, c'est en fait une autre fois un plaisir pour nous d'être en fait sur ce plateau afin de parcourir, n'est-ce pas, notre cours d'éthique islamique. Le sujet sur lequel nous voudrions, n'est-ce pas, vous entretenir n'est rien d'autre que at-tawakkul, qui est défini en français comme étant confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ou confiance en Dieu. Il faut savoir que la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ou en Dieu est quelque chose d'important, de telle sorte que les grands savants de l'akhlaq, les savants de l'éthique islamique l'ont calculé parmi, n'est-ce pas, les grands comportements ou les grands éthiques. Et ceci dit que le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est cause du fait que l'être humain puisse se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, l'objectif recherché par
L'être humain dans ce bas monde est le fait d'avoir la satisfaction de Dieu, le fait de se rapprocher, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, tous les prophètes, sans exception, se référaient toujours à Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de difficulté. C'est-à-dire que dans les rudes moments, les moments de difficulté, tout ceci se référait à Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus vieux prophète qui est Nuh alayhi salam, le plus vieux prophète, c'est-à-dire ici le prophète qui a plus duré sur terre, car celui-ci a vécu combien de mille, n'est-ce pas? Sur ce bas monde. Il a en fait eu une longévité, il a vécu longtemps, n'est-ce pas, sur terre. Celui-ci, comme vous le savez, a été torturé, discriminé, n'est-ce pas, dans sa société. Torturé, je lui dis que la grandeur qu'il avait n'a pas été reconnue par son peuple. De telle sorte que il les appelait vers Allah subhanahu wa ta'ala en cachette. Il les a appelés de manière évidente. Il les a appelés en public. Il les a appelés à Allah subhanahu wa ta'ala individuellement. Mais ceux-ci l'ont rejeté et bouchaient les oreilles afin de ne pas l'écouter. Ça fait mal. Ça fait mal que une personne. Un médecin va vers le malade, lui présenter un remède ou bien le remède pour son mal, et celui-ci te donne dos en te marginalisant. Ça fait mal. Il a supporté tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Saint-Coran en disant ceci: Watlu alayhim naba'a Nuhin iz qala li qawmihi ya qawmi in kana kabura alaykum makami wa tazkiri bi ayati Allah fa 'ala Allahi tawakkaltu. Il dit, raconte-leur l'histoire de Noé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est-ce pas du cela? Quand il dit à son peuple: Oh, oh mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèse trop, alors c'est à Allah que je place entièrement ma confiance. Si ça prouve que le fait que je viens vous rappeler les signes de Dieu, vous parlez de Dieu est quelque chose de si grand ou de difficile, n'est-ce pas, pour vous? Moi, je place ma confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants nous disent que ce verset a été révélé à la Mecque. En fait, c'est un verset mecquois. Pour venir interpeller les musulmans de l'époque,
c'est-à-dire les musulmans du début. Les premiers compagnons allaient disant que, oui, bien sûr, vous allez vivre, n'est-ce pas, les moments difficiles comme a vécu Noé, alayhi salam. Mais faites le fort d'être comme Noé, car Noé a vécu les moments pénibles avec son peuple. Mais à chaque moment, il plaçait sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tirez exemple de celui-ci. Prenez, n'est-ce pas, son modèle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans une autre sourate, sourate Talaq, nous dira: Wa man yatawakkal Allah fa huwa hasbuhu. Il est celui qui place sa confiance en Dieu, Dieu lui suffirait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs fois dans les versets coraniques, dans les hadiths, nous dit que quand il promet, il respecte, n'est-ce pas, sa promesse. Ça, il n'y a même pas de doute en cela. Il n'y a pas de doute que un musulman ait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, car il a pris la décision de mettre en application tout ce qu'il nous a donné comme promesse. Parmi les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala est que quand quelqu'un se confie à lui, il lui suffirait, n'est-ce pas, comme, comment on appelle là, il lui suffirait. Autre que Dieu pourrait nous promettre et nous allons avoir doute. Doute sur plusieurs plans. Entre autres, c'est possible que ce dernier a la volonté de respecter les accords, a la volonté de respecter sa parole. Mais il y a eu où se présente face à lui des barrières, des éléments qui le permettront ou qui ne le permettra pas de pouvoir respecter sa parole. C'est-à-dire des causes qui sont au-delà de sa volonté à lui-même. Ou bien par ignorance, ou bien par peur de quoi que ce soit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tout cela en lui. Il n'a pas peur de qui que ce soit. Il n'est pas ignorant. Et il n'a pas d'excuses, en fait, je me redis, à ne pas respecter, n'est-ce pas, son engagement. Car il n'y a rien qui pourrait s'interposer entre Dieu et sa volonté de faire quoi que ce soit. Oui, tantôt, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa volonté, n'exauce pas nos voeux comme nous le voulons. Mais cela, c'est à cause de ça, la sagesse que lui-même, il voit dans l'action. Donc, ce n'est pas comme si il était obligé à cela, mais c'est la sagesse il a utilisé sa sagesse. Et c'est la sagesse qui lui dira que il ne faudra pas, n'est-ce pas, exaucer ces vœux-là à ces moments-là, d'ajourner cela.
Et tout cela rentre dans le cadre de la sagesse, n'est-ce pas, divine, ce n'est pas une obligation. Dans les hadiths, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, Man sarrahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal ala Allah. Et celui qui voudrait être le plus fort, le plus puissant des gens, qu'il place sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ali alayhi salam de nous dit, Man tawakkala ala Allah. Zallat lahu si'abu. Et celui qui place sa confiance en Dieu, toutes les actions difficiles seront à son égard faciles. C'est-à-dire les actions difficiles seront faciles face à lui. Et what Tassahalat alayhi al-asbabu, et les voies du moyen seront, n'est-ce pas, faciles. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous donner la possibilité de pouvoir placer notre confiance, n'est-ce pas, en lui, afin que nous puissions atteindre l'ultime objectif qui est le fait d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, se rapprocher de Dieu. Et enfin que les actions, les choses nous soient sur cette terre faciles. Ces propos qui viennent d'être dits, il y a une petite interrogation ou bien une question qui se pose. Une question qui se pose, et cette question est de savoir quel est réellement ce qu'on appelle placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cela voudrait dire que je puisse prétendre placer ma confiance en Dieu et rester à la maison endormi en disant oui, j'ai placé ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire délaisser les causes. Ne rien faire et avoir la foi et la conviction que moi, j'ai placé ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est cela qu'on appelle placer confiance en Dieu ou pas? C'est dans ce sens que vous me permettrez de d'abord définir littérairement qu'est-ce que voudrait dire tawakkul ou bien placer sa confiance en Dieu. Comme vous le savez, le mot tawakkala, placer sa confiance en quelque chose, vient ou tire sa source de wakkala, qui veut dire confier. C'est de confier quelque chose à quelqu'un. Ce qui voudrait dire, n'est-ce pas, Wakela. Même dans notre vie sociale, souvent, on
choisit quelqu'un souvent pour être, n'est-ce pas, notre tuteur ou notre représentant dans le mariage. Dans le mariage, la femme pourrait confier, n'est-ce pas, ou proposer, n'est-ce pas, un représentant, celui-là même qui va parler, n'est-ce pas, en son nom. Également, l'homme pourrait choisir quelqu'un pour que celui-ci soit son représentant. Pas le tuteur, mais le représentant même du marié ou de la mariée qui parlera, n'est-ce pas, au nom du marié ou de la mariée. Celui-ci est appelé wakil. De même, même l'imam pourrait être wakil de la femme ou wakil de l'homme ou wakil, n'est-ce pas, des deux. C'est-à-dire le représentant, n'est-ce pas, de ces deux. Donc, le mot wakil, c'est représentant, celui qui te représente. Alors ici, dans Tawakkala, c'est le fait que nous estimons Dieu comme étant notre représentant. C'est-à-dire, on le confie tout. Et il faut savoir également que on ne confie pas n'importe quoi à n'importe qui. Nous, on confie notre destin, nos activités, notre vie à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le tout-puissant, il est l'omniscient et il est sage également. Et nous avons cette conviction-là que, en le confiant cela, il va faire bon usage. Car il est omniscient et, n'est-ce pas, il est sage. Et le fait également de confier notre destin à Dieu, nos actions à Allah subhanahu wa ta'ala ne voudraient pas dire que nous devrons délaisser les causes et effets. Car dans cette vie, nous vivons un monde qu'on appellera le monde des causes. Il ne faudra pas que le musulman puisse se tromper en disant, oui, je confie tout en Dieu et je reste endormi. Dieu ne t'a jamais demandé cela. De l'autre côté, Dieu te dit que confie-moi tout. De l'autre côté, il te dit, lève-toi, travaille. Il n'y a pas de contradiction également. Il n'y a pas de contradiction entre confie-toi en Dieu et lève-toi, travaille. Parce que souvent, il y a ces mal compréhensions dans notre vie, de telle sorte que nous disons, oui, nous avons tout confié à Allah subhanahu wa ta'ala et on reste endormi. On ne travaille pas, on n'œuvre pas. Jamais de la vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé cela. Donc le fait de se confier en Dieu ne voudrait pas dire de délaisser les causes et effets. Il faut œuvrer. C'est dans ce sens qu'on posait la question à l'un des imams, de savoir quel est, n'est-ce pas, le fait de placer la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, il répond en disant de ne craindre autre que lui. Ça, c'est également une des explications de le fait de placer sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le temps qui nous était imparti est terminé. Inch'Allah, s'il le plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'émission suivante, nous allons retraiter, n'est-ce pas, cette question
Autrement dit, nous allons continuer, n'est-ce pas, notre parcours, car le sujet n'est pas terminé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, Rabbuna wa Rabbu abaina al-awwalin. La ilaha illallah, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. La ilaha illallah, لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده 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 أنجزاه